Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ça va ? Oui, je vais très bien. Voilà, ça va, pas trop fâché pour hier ? Ah moi non. Oh non, parce qu'il y en a plein, ils m'ont dit « Oui, Alain, il est fâché Je t'ai traîné dans la boue !» J'ai reçu des messages, on me dit que « Alain, tu l'as traîné dans la boue !» Je lui dis « Non, mais attendez !» Dans la boue, bon. C'est n'importe quoi. Donc, tout va bien, parce qu'on m'a dit « Alain, il est fâché !» Machin, bon, il y en a beaucoup qui disaient que j'étais contre toi. J'ai dit « Mais non, mais Alain, il va être ce soir à l'émission, on va faire une émission, alors bon, je comprends pas, voilà. » Donc voilà, vous voyez... Je bosse là-dessus depuis je sais pas combien de temps. Dire, ben non, je ne le fais pas parce que il y a eu une blague de poisson d'avril, donc tu rigoles. Voilà. Donc moi, je t'en ferais bien une blague de poisson d'avril, je vais te l'expliquer pourquoi, et puis ça sera dans le thème de Mais c'est ce que j'ai lancé comme pari aux Métanautes, c'est de nous en faire une l'année prochaine et de nous surprendre. On va voir s'ils sont aussi forts que nous. Si vous êtes aussi cons, vous y arriverez. Alors, on se dit salut à tout le monde. Attends, je dis bonjour à tous les gens du chat parce qu'ils sont connectés depuis tout à l'heure. Vincent Zalcol, Verbalkin, Daniel, Hermit, Camarade Résistante, Sibilio, Scorpion, Atanor. On les a tous eus. Il y a une bonne partie à qui on a parlé en direct. Hein, parce que tu sais qu'on discute beaucoup avec les métanautes. On échange. On a eu des grandes discussions en fait. voilà, je pense qu'on a pu échanger, on va dire, les uns et les autres et comprendre eux dans quel état ils étaient et eux comprendre aussi les intentions qu'ils nous ont poussées. Il y a vraiment des gens qui ont eu un très très gros poisson d'avril, c'est les flics d'Épinay, parce que vu le nombre d'appels. Pour savoir si t'étais pas en cabane là-bas, tu vois, au bout d'un moment... Faut pas que j'ai des problèmes avec la police prochainement, parce qu'ils se souviendront de moi. Donc, salut à Tesman, Mélie, Villera. Alors, on va enchaîner parce que ce soir, voilà, gros sujet. Alors, l'homme est un musée, j'imagine que le titre a dû perturber plus d'un. Ah je sais pas, là, je m'attaque à gros, parce qu'en fait, la philo des profondeurs. Hein. Ouais. La philo des profondeurs. Moi, je suis pas philosophe... Je suis pas paléontologue, je suis pas historien. Mais t'es remonté quand même sur l'histoire, on va dire, de l'homme. Pourquoi ? Parce que depuis le début. Pourquoi ? Parce que c'est quand même intéressant de savoir comment ça marche. Moi, j'ai toujours aimé démonter les jouets et puis savoir comment marchaient les choses. Alors, comment fonctionne l'homme ? C'est la question que je me pose pratiquement depuis que je suis né. Et il me faut que j'atteigne un âge avancé pour commencer à avoir quelques idées comment ça fonctionne. Hein, voilà. Ouais. Je suis même retourné à la fac à 55 ans, faire un DESS d'ethnométhodologie pour je me suis tapé Prigogine et la complexité parce que finalement rien n'est simple. On est dans le complexe. Ouais. Alors je ne sais pas si on ira au bout aujourd'hui, mais il ne faut pas penser que comme ça. Hein, voilà. Et donc, quand on dit l'homme est un musée, c'est qu'aussi on dit que l'homme sans passé n'a pas d'avenir, et on est un petit peu dans la ligne éditoriale ici, qui est évidemment le fait qu'on récuse, qu'on nous impose un homme nouveau. Un homme nouveau, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, un homme nouveau. Toutes les expériences d'hommes nouveaux amenés par des sociétés totalitaires ont été des échecs. Quand on coupe l'homme de son passé, eh bien, on mutile l'homme. On le mutile et on l'amène à rien faire. La preuve, c'est que toutes les révolutions ont été suivies par des réactions et des retours en arrière. Donc, on voit bien que ça ne marche pas. Ça marche pas. Alors, on va voir comment fonctionne l'homme. Et pour introduire un petit peu le débat, j'aurais l'idée de te faire une blague pour le 1er avril prochain et qui serait de te mettre nu, sans rien, au milieu d'une forêt. Ça va plaire à certains. D'une forêt profonde, maintenant on n'arrêterait personne. Nu, au milieu d'une forêt profonde, donc tu ne pourrais pas sortir. Hein, voilà, tu es comme le premier homme. Et puis, on compterait combien de temps tu arriverais à survivre. Tu survivrais pas longtemps. Ça m'attendait à une bonne blague, ça. Tu saurais pas faire un arc, des flèches avec le silex, tu saurais pas tailler un silex, tu saurais pas faire du feu avec rien, tu saurais pas tuer des animaux, prendre des peaux, puis pour
pour te couvrir, tu mourrais de froid, et donc tu mourrais. Donc pour que tu puisses être laissé au fond d'une forêt profonde et avoir les chances de survivre, il faudrait que tu passes d'abord au magasin, hein, t'acheter des vêtements chauds, un fusil, une hache, des outils, donc se munissent les survivalistes. Ouais. Aujourd'hui, ils essayent de faire ça, hein, les survivalistes, mais les survivalistes, ils font pas ça sans rien. Sans rien, tu peux pas. Donc, tu peux déjà conclure que l'homme sans rien, sans outils, il n'existe pas. Ouais. Hein? Donc sans outils, sachant que tu me dis les hommes donc ont créé les outils de départ, ils avaient les premiers outils. Quoi. Alors on va voir que l'homme même, hein, c'est-à-dire l'être, l'homo sapiens, et même les hominidés qui commencent à se démarquer du singe, eh bien évoluent avec l'outil. C'est-à-dire que si tu veux, si tu es paléontologue et tu veux définir ce qu'est un homo habilis, tu vas voir un squelette d'homo habilis et tu vas voir les outils qu'il y a autour, qui correspondent à l'homo habilis. Donc au départ, si tu veux, l'homme est indéfectiblement lié à l'outil qu'il utilise. Alors c'est facile pour les hominidés parce qu'ils ont peu d'outils, mais on voit la filiation jusqu'à ici. Nous sommes des homo meta-TV, donc nous disposons d'un matériel adéquat particulier qui sont des outils et que, évidemment, on peut nous définir par ça, par cette capacité, par la méthode. On va parler beaucoup de méthode, hein, par la méthode et par les outils, c'est-à-dire la méthode, c'est la capacité d'utiliser les outils à bon escient. Hein, et que ces méthodes, évidemment, sont transmises. Si tu as un nouveau technicien ici, tu vas lui expliquer comment ça fonctionne, et lui, eh bien, il va faire peut-être une carrière dans l'audiovisuel, et après, il va, de fil en aiguille, expliquer à sa descendance comment ça fonctionne. Hein. De même que, évidemment, la technologie. Mais il ne faut pas que j'anticipe, parce que, finalement, on va aller trop loin. Déjà, on va commencer par l'Australopithèque. Hein, passe-moi la vue de l'Australopithèque. L'Australopithèque, lui, c'est l'ancêtre de l'homme, c'est Lucie. Hein, et c'est les vues 1 ou 2, l'Australopithèque et l'outil. Lui, il a déjà... C'est un singe, en fait. Hein, hein, il se tient debout quand même. Comment ? Il se tient debout. Il se tient debout, mais il se tient debout pas toujours. Hein, mais il commence à se tenir debout. D'accord. Il commence à se tenir debout. Hein, et il a un petit pouce et il peut prendre des outils. Alors il lutte. Excusez-moi, là c'est le poumon. Hein. Et donc, lui, il utilise des outils, mais il ne les transforme pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il utilise ? Il prend un bâton, il prend une pierre, il omnivore, hein, pour casser des noix, il prend un galet, et puis il coupe, voilà, pour taper sur son voisin. D'ailleurs, j'avais vu que les singes étaient les seuls animaux aussi à utiliser des outils, oui, en prenant justement pour décrocher un truc de banane, et prendre un bâton, un machin. Exactement, ouais. Exactement. Il y a même des animaux, même des oiseaux qui utilisent des outils, mais il y a aussi... des animaux les plus intelligents, qui est la pieuvre. La pieuvre, on a calculé que son QI était un des plus développés qui existait, et elle est capable de résoudre des problèmes complexes que pourraient pas même résoudre des imbéciles, des hommes. Hein. Mais elle, la pieuvre, elle parle pas. Elle n'a pas de méthode, elle ne peut pas transmettre aux autres pieuvres. Mais on ne sait pas ça, sinon, tu crois que... Bah, on voit bien qu'elle évolue pas. On voit pas qu'elle évolue pas. Par contre, si on voit une pieuvre, on a fait des essais, hein, on met une pieuvre là avec une boîte qui doit s'ouvrir en tournant.
Tu vois, c'est compliqué. Ouais. Hein, ma femme, elle a du mal à savoir qu'on ouvre un truc. Ouais. Elle entend dans la pieuvre et elle voit qu'on tourne, on tourne. Si on met une pieuvre à côté dans un autre aquarium, qui va la regarder, mm-hmm. elle ne va pas chercher. Tout de suite, elle va l'ouvrir. Donc, elle est capable d'apprendre, mais la pieuvre n'est pas capable de transmettre ça à cette génération. D'accord. Donc, l'homme est le seul animal à avoir cette capacité à exister sur plusieurs générations et à ne pouvoir qu'exister sur plusieurs générations. Oui. S'il n'y a pas plusieurs générations, il n'existe pas. Donc on voit notre Australopithèque, la vue 2, hein, on voit la vue... la vue 3, hein, il a des galets parfois qui sont aménagés. On voit bien que quand il tape sur quelque chose, le galet se casse en deux, il voit bien qu'il y a un bord tranchant qu'il peut utiliser. Donc l'Australopithèque se déplace peu, il vit dans la savane. Alors l'Australopithèque, donc les l'Australopithèque, il vit en Afrique. Alors en Afrique, dans les plateaux d'Éthiopie, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein, voilà, dans le rift. Alors, parce que sur le chat, il y a toujours des réponses, et puis on me dit oui, que Lucie, c'est une légende et qui est toujours enseignée. Bon, moi je fais de la science, qu'on me laisse causer, parce qu'il n'y a pas de légende, il y a des paléontologues. Non, Lucie, parce que ça a été débunké, il paraît qu'on a trop. Enfin moi je sais. Ça. La quasi-totalité des restes d'Australopithèque ont été trouvés là. Oui, voilà. Il semble que certains restes ont été retrouvés, c'était des restes de squelettes de singes. Je pense que la personne fait référence à ça, possible. Voilà, les paléontologues ne peuvent pas faire ce genre de différence entre, même s'il y a une ressemblance entre un singe et un Australopithèque, l'Australopithèque est déjà c'est un singe, c'est pas un homme déjà, mais c'est un type de singe. Mm-hmm. Hein, voilà. D'accord. Bon, donc on va passer ça sur cet Australopithèque qui, lui, la première phase, il utilise des outils qui ne transforment pas. D'accord. Il faut passer ensuite à l'Homo habilis, hein, l'Homo habilis, la vue 4, pour trouver. Alors aussi, il faut dire que l'Australopithèque est comme un singe, il ne peut que grogner, parce qu'il n'a pas le larynx, si tu veux, en position haute. Donc il n'articule pas. Donc il ne peut pas, il est comme la pieuvre, même s'il est intelligent, il ne peut pas transmettre des méthodes. Hein. Donc il réagit quoi, par instinct? Non, il est comme un animal, il est pas idiot, il voit qu'il y a un bâton, il tape sur son pote avec son bâton, il voit que le pote, paf, non. Il voit une noix, il prend voilà. Mais on sait comment ils vivaient. Ils vivaient quoi, socialement, je veux dire? Oui, en communauté ou c'est... Oui, ils vivaient, parce qu'on voit des squelettes qui sont en communauté, ils vivent. Et puis on peut faire les comparaisons avec les singes. Oui. Tous les singes vivent en groupe. Il n'y a pas de singes qui ne vivent pas en groupe. Voilà. Les chimpanzés, ça n'existe pas, les singes solitaires, finalement, c'est vrai. Non, 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 ils vivent en société, très sociale, avec une hiérarchie, etc. Très sociaux. Bon, donc, pour arriver aux premières hominidés, il faut arriver à l'Homo habilis, parce qu'il est habile, et déjà, il a, on voit là, les vues 4, les vues 5, oui, et habilis, la vue 6, parce qu'il est habile. Il est habile, d'accord. Et on voit que sa main, elle est déjà... elle ressemble plus à un autre. Lucie, parce qu'il est habile. Il est habile, et on voit que sa main, elle est déjà... elle ressemble plus à un autre. Voilà. Voilà. Donc, il a une capacité de préhension. Il a une capacité de préhension, et étant un peu redressé, il a une capacité d'articulation. Donc, on voit autour des squelettes d'Homo habilis autour, parce qu'on voit toujours des crânes, hein, quelques os, et puis des outils autour. Mm-hmm. Voilà. Donc on peut faire la corrélation entre le crâne, la main et les outils. Et les outils. Hein, voilà. Donc on voit que lui, il est capable de prendre des outils et de les transformer. Donc lui, il utilise autour ce qu'on appelle des choppers, c'est-à-dire c'est des galets dont il a aménagé un tranchant. Mm-hmm. Mais ils ne sont pas emmanchés. Tu vois, hein, voilà. Donc on en voit quelques-uns sur la vue 9, hein, ces choppers qui commencent à être
qui commence à être aménagé. Et on voit sur la vue 8 ses capacités de son crâne, hein, qui font 650 cm3. Claude, l'Homo sapiens fait 1500 cm3. Ah, on voit sur la vue 7 sa mâchoire, qui est une mâchoire qui est déjà détachée de celle du singe et qui ressemble un petit peu à celle de l'homme. Il est petit, il fait 1m50 au grand maximum, et il commence à se déplacer, il marche bien, il mange des charognes. Il ne connaît pas le feu encore, il n'a pas d'outils emmanchés, il ne chasse pas, il n'a pas la capacité de chasser. Bah, il mange quoi alors? Il mange des animaux morts, des charognes. Ah bon? Voilà. Donc, il découpe la viande avec sa pierre qui est avec le côté tranchant. Voilà. Ah bon, il mange des charognes, il ne chasse pas. Bah, il ne chasse pas. Je croyais que c'était naturel, voilà, la chasse. Mais... Ah non, bah non, bah pour chasser, c'est un peu plus, hein. Il en faut un peu plus. Alors, le chasseur, donc, on voit que l'homo habilis, il marchait complètement sur ses deux pattes arrière. Son squelette est complètement adapté à la bipédie. Hein, même si les membres postérieurs sont courts, mais il ne peut pas faire de longues marches. Hein. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas, il ne s'est pas répandu au-delà de l'Afrique, l'Homo habilis. Voilà. Alors pour trouver un chasseur et d'autres outils qui vont avec, il faut donc arriver à l'Homo erectus. Erectus parce qu'il se tient debout. Tu vois? Alors l'Homo erectus, on voit sur les vues 11 et 12, hein, lui, c'est un marcheur. D'ailleurs, il est robuste, il est très robuste, c'est un chasseur et il peut emmancher son biface sur une lance et il va à la recherche de gibier. Donc on voit sur cette vue 12 que l'Australopithèque, hein, Lucie, c'est moins 3 500 000, l'Homo habilis, c'est moins 2 400, et l'Homo erectus, c'est moins... l'Homo habilis, moins 2 400 000 ans, et l'Homo erectus, moins 1 800 000 ans. Ça fait beaucoup, hein, pour évoluer. D'accord. Est-ce que tu peux juste, si tu les as cités, les sources, parce que les gens nous le réclament beaucoup, les sources exactes. De ? Les sources. Ben c'est les sources... traditionnelles, quoi. Comment veux-tu une autre source? C'est non, les sources de la connaissance. Qu'est-ce que tu veux avoir comme autre source? Franchement, c'est les sources, c'est la connaissance, c'est les sources de la paléontologie d'aujourd'hui. Non, ben je me fais l'écho, hein, de ce que demande. Quelle source? Je n'ai pas été regardé dans le marc de café, quand même, monsieur dame. Hein. Non, parce qu'on je me réfère à la littérature. Hein, et aux sources des paléontologues et de la paléontologie telle qu'elle est enseignée aujourd'hui. Parce que par exemple, Pierre Parmenion lui dit le problème c'est qu'on fixe l'intelligence via la parole, alors que la parole n'offre pas grand-chose de plus de ceux qui ne l'ont pas. La transmission peut se faire de différentes façons, autres que la parole. Oui, mais c'est évident. La transmission se fait par la parole, par le geste, par l'exemple. Mmh. On va en parler tout le temps. Mmh. Hein, quand un menuisier montre à son apprenti comment tenir son rabot, lui montre. Donc je suppose que l'Homo habilis, il montrait à son fils comment casser les galets. Mais on sait que, de par la position de son larynx, il avait une aptitude à articuler. Mmh. Voilà, c'est tout. Voilà, comme nous, on articule. Un chimpanzé, ça grogne. Voilà, et nous, on articule. Et donc, la capacité d'articulation est liée à la physiologie du larynx. Hein, voilà. Bon. Donc nous arrivons à cette Homo erectus qui lui est un marcheur et qui lui va se répandre. D'accord. Pourquoi il se répand? Parce qu'il chasse le gibier et il va le chercher, c'est-à-dire il suit le gibier.
Hein. Il connaît le feu. Alors, le feu, en premier, c'est par prélèvement. Hein. Il y a des feux de forêt, on prend le feu. Après, il y a eu un type qui a réussi à faire du feu en frottant des bouts de bois ensemble, hein, comme on voit chez certaines peuplades primitives, de cette manière de faire le feu en tournant un bout de bois dur sur du tendre, et on arrive à produire du feu. Donc on suppose que ces gens-là faisaient du feu comme certaines peuplades primitives de Bornéo, par exemple, font du feu en frottant du bois. Il y a des gens qui arrivent, il y a des silex, des survivalistes qui arrivent à faire du feu. C'est surtout en frottant du bois, en tournant ou avec un arc, on va tourner, on fait un bout de bois avec un cône au bout, on fait un petit trou dans l'autre bois avec un trou, et puis on va tourner rapidement. Et en dessous, on met quelque chose qui va s'enflammer facilement, et des étincelles vont tomber quand on aura... Quand je serai laissé dans la forêt le 1er avril prochain, tu sauras au moins faire du feu. Du feu. Bah, hein? Je m'inspirais de la guerre du feu, là, ce que tu me racontes. Voilà, ça raconte la scène de la guerre du feu. Donc l'Homo erectus n'est pas encore un Homo sapiens, c'est encore un homme qui a un front bas avec des arcades, hein, et qui fait des bifaces qui sont un peu grossiers, mais c'est quand même un homme qui va se répandre. Dans toute l'Eurasie, sauf en Amérique, hein, il va se répandre partout en suivant son gibier. Mm-hmm. Voilà. Mais on ne connaît pas d'autres fabrications de cet homme que ses outils et surtout ses bifaces, c'est-à-dire ses pointes de lance. Mm-hmm. Voilà. Donc, on peut voir sur la vue 15, hein, les zones où se sont répandus les Homo erectus, hein, en Europe, en Asie, mais pas en Amérique. Pourquoi? Hein. On n'en a pas trouvé. Pourquoi? Il n'a pas été... Ah, on n'a pas trouvé d'Homo erectus. On n'a pas trouvé d'Homo erectus en Amérique. C'est-à-dire que l'homme, il arrive plus tard en Amérique. L'homme, il arrive au niveau de l'Homo sapiens. En américain, hein, il va passer le détroit de Bering, parce que en fait, c'est à mon avis, c'est une question climatique. Il y a eu une période glaciaire il y a moins 50 000 ans, et donc l'Homo sapiens a pu passer le détroit de Bering sur la glace. Hein, et même, on pense qu'il y a des Européens. Il y a une nouvelle école parce qu'on a trouvé des productions typiquement européenne en Amérique, et on pense que tout l'Atlantique Nord était sous la glace, et comme les Esquimaux arrivent à faire des milliers de kilomètres sur la glace avec des bateaux en peau, on trouve que c'est possible que des Européens soient passés en Amérique. Mais ça, ce sera pour le chapitre Homo Erectus. Tout ça, je vous fais pas un cours de paléontologie. Mon propos n'est pas là. Le propos, c'est de démontrer que l'homme vient de son outil. L'homme est indéfectiblement lié à son outil et à la méthode. Il n'y a pas d'outil sans méthode, hein, et que il faut des générations et des générations pour améliorer les outils, c'est-à-dire que l'homme, il va montrer à son fils, à son clan, comment on va tailler les silex, comment on fait le feu, comment on va chasser, on va entourer les animaux, on a des stratégies de chasse, et tout ça, ce sont des méthodes, et ces méthodes, évidemment, ça peut se démontrer, mais on sait que ces hommes-là pouvaient parler, c'est tout ce qu'on peut dire, ils pouvaient parler, donc peut-être qu'ils parlaient, et peut-être qu'ils pouvaient expliquer, voilà, toi tu vas là, tu prends ton truc, aller chasser des gros animaux, c'était quand même quelque chose de difficile, il devait y avoir des morts, des blessés, c'était pas évident. En tout cas, cet homme était costaud, parce qu'il avait un régime carné très... très fort, il mangeait bien, hein, il mangeait très très bien, et il a pu comme ça se déplacer sur des milliers et des milliers de kilomètres. Hein, voilà. Notre propos à partir de là, c'est toujours de démontrer que l'homme est lié à la méthode.
Hein, il est lié à la méthode. Il est lié à cette capacité de transmettre aux générations futures les méthodes qu'il a acquises et que un homme sans passé, bah, il n'existe pas comme toi dans au milieu de ta forêt l'année prochaine au 1er avril. Donc il y a des couches qui se superposent comme ça et c'est ontologique, hein, pour parler philosophique. Cet homme-là, il développe donc une vie en société. Donc forcément, société, voilà. Donc plus élaboré que celui d'avant quand même. Alors, oui. Est-ce qu'on peut parler, on nous dit, est-ce qu'on a vu les premiers rites apparaître, les premiers... Alors on ne voit les premiers rites apparaître qu'à partir de l'Homo sapiens. À partir de là, on ne voit pas, il y en avait peut-être, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'en avait pas, mais on n'en voit pas, parce que c'est un homme qui se déplace tout le temps, il est toujours en balade, il n'a pas, il a pas de voilà, pour qu'il y ait des sépultures et des cérémonies, il faut quand même qu'il soit un peu sédentaire. Ça, on verra la cérémonie des sépultures. Hein. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus que son squelette et les outils qu'il utilisait et les zones où il s'est répandu. Hein. Sinon, là, c'est après, ce serait du roman. Moi, je ne peux pas dire plus que ce que la science a été capable de produire. Donc là, on va passer à l'Homo sapiens, qui est l'Homo sapiens, hein, qui arrive à peu près à... on va prendre la vue 21, hein, l'Homo sapiens à peu près moins de 100 000 ans, hein, mmh. hein, et donc l'Homo sapiens a un crâne qui est similaire au nôtre. Voilà. Donc, alors, il est comme nous. L'Homo sapiens, c'est nous. Voilà. L'Homo sapiens, c'est nous. T'es un Homo sapiens. C'est nous. Voilà, voilà. Tu fais des blagues d'Homo sapiens. D'Homo sapiens. Voilà, donc l'Homo sapiens faisait peut-être des blagues. Je suis sûr qu'il en faisait, d'ailleurs. C'est... Ah, tiens, il y a un mammouth. Non. Non. Mais c'est... Donc, là, on voit sur la vue 1, on a une chronologie d'après les recherches archéologiques. Hein, donc, on voit que l'Australopithèque, à partir de moins 7 millions d'années, et qu'il y a une branche... Alors, c'est tu sais quoi, direct, quelqu'un nous l'a dit, mais les hommes de Néandertal, donc tu vois... Ouais, on va en parler. Ouais. Faut pas aller plus vite que la musique. Mais parce qu'ils sont au courant, tu vois... C'est bien. Ils suivent. C'est bien, mais je ne fais pas un cours de paléontologie, mes chers amis, je fais un cours, on va dire, c'est plus philosophique que de paléontologie, c'est juste là pour illustrer mon propos. Voilà, si vous voulez avoir... Il y a d'excellents sur le web, hein, il y a pas mal de cours de paléontologie. Et donc, voilà. Et donc, l'Homo sapiens, parallèlement à l'Homo sapiens, il y a évidemment en Europe, spécifiquement en Europe, un autre type d'homme qui est l'homme de Néandertal, qui se développe parallèlement à lui. Qui est un peu plus frustre, qui est plus costaud, et dont on sait maintenant, la génétique a démontré récemment, qu'il s'est croisé avec l'Homo sapiens, et qu'on a tous un peu de gènes, nous, Européens, hein, du Néandertal, parce que le Néandertal est spécifique à l'Europe. Alors pourquoi ça ? Il n'a pas été ailleurs. C'est-à-dire c'est une branche de l'Homo erectus qui a évolué qu'en Europe, voilà. C'est ça ? C'est une branche de l'Homo erectus qui a évolué. Et l'Homo erectus a fait deux branches, hein, comme un arbre. Mmh. Il a fait l'Homo sapiens et le Néandertal. Voilà. Et le Néandertal, spécifique à l'Europe, parce que il a dû s'adapter au froid extrême. Il faisait extrêmement froid. Alors le froid extrême, ça a aussi un avantage, parce qu'il y a un gibier particulier qui est très très riche en graisse, en protéines, des phoques, des rennes, etc. Et il s'est bien adapté à ce biotope particulier. Et donc ça devait peut-être pas être un grand marcheur. Hein. Mm-hmm. On a trouvé des traces de néandertaliens. En Europe, et on voit que ces outils sont quand même un peu plus frustres que ceux de l'Homo sapiens, qui lui, ensuite, à partir de 30 000 ans et des paléolithiques, donc on va voir de véritables civilisations très riches, hein, se développer, notamment au paléolithique supérieur,
de l'Homo sapiens, en matière donc de sculpture, en matière de peinture et certainement de cérémonies religieuses, puisqu'on pense que toutes ces peintures provenaient de l'idée, hein, que pouvait avoir l'homme. Alors, et on nous signale l'homme de Flores aussi, on a au bon point. Je ne sais pas si tu connais les petits qui sont en Indonésie, qu'on a retrouvés, et qui sont une branche apparemment, certainement de l'Homo erectus, mais en Asie. Ah bon, c'est possible. Et qui vit encore dans une petite île en Indonésie, si je ne me trompe pas, il y en a encore quelques spécimens. Bon, donc, je voulais aussi montrer que le langage se développe à partir de l'objet. Mmh. C'est-à-dire que le langage, c'est quoi ? C'est la description d'objet. Oui. Hein, voilà. Là, bâton, pierre, lion, chemin, femme, enfant. Voilà, il y a une description des choses. Et après, il y a une formation de l'idée, si tu veux, à partir de l'objet. Hein, voilà. Donc, l'idée, par exemple, si on prend partage, ouais. Partage, c'est une idée, hein, partage, on comprend bien que ça vient, on va partager la nourriture, donc toi t'as ça, hein, tu prends un bout de bois, tu coupes en deux, hein, voilà, il y a deux parties, alors à ce moment-là, il y a égal, et il y a plus grand, plus petit. Mm-hmm. Hein, et donc, on voit très bien que à partir de l'objet, se développent des concepts. Hein, se développent des concepts, et plus il y a d'objets, plus il y a de concepts, et plus il y a d'hommes de différentes tribus qui se rencontrent, mmh. Et bon, et bien plus il y a d'échanges, et plus il y a capacité à conceptualiser des événements. Alors justement, une question qui oui. est aussi en rapport avec les questions qui sont posées, mais on nous dit, mais moi aussi je l'ai lu souvent, que l'arrivée de l'Homo sapiens, quand l'Homo sapiens il arrive dans l'histoire, en fait, il existe encore des autres races d'hominidés, mais c'est que lui, il les balaye. C'est-à-dire, à partir du moment où l'Homo sapiens arrive, les autres, ils disparaissent. C'est fort possible. On en est absolument certain. Alors, pour l'Homo erectus, là, on voit bien qu'il y a une flèche avec un point d'interrogation entre l'Homo erectus. À mon avis, la plus grande probabilité, c'est que ces hommes se sont côtoyés, c'est clair. On a une certitude absolue avec le Néandertal. Mmh. Mais qu'il y ait eu des erectus avec des sapiens, c'est une grande probabilité. Qui les ait balayés, peut-être qu'il les a chassés pour les becter. Hein. Oui, voilà, enfin, on ne sait pas trop, en fait. Bon, hein, bah, moi, j'avais lu un truc là-dessus qui paraissait assez sérieux, où il disait qu'on n'avait pas la raison, mais en tout cas, la chose était que quand, en tout cas, cet Homo sapiens arrive, on ne sait pas pourquoi, mais toutes les autres, par contre, ils s'arrêtent. C'est voilà. Terminé pour c'est toutes terminé. Les autres. Il n'y a plus aucun autre hominidé voilà. Sur Terre, à part l'Homo sapiens. C'est comme ça. On ne sait pas si c'est lui qui l'a éliminé ou si c'est les ressources. Enfin, en tout cas, il a arrivé, et tous les autres sont balayés. Hein. Il n'y a plus personne. Balayés. Donc là, j'en reviens au concept, parce que quand on arrive à l'Homo erectus, évidemment, à l'Homo sapiens est capable, évidemment, d'avoir un langage évolué, de manipuler des concepts, de penser, de réfléchir. Quand on voit, par exemple, les productions des pictogrammes et des peintures qu'il peut faire, hein, sur les vues, d'abord il commence à mettre sa main, hein, puis il met de l'ocre, il crache et il met sa main, on voit partout. Hein, donc il y a certainement quelque chose de votif et de religieux, mais qu'on voit que rapidement, il est extrêmement habile à reproduire des animaux, hein. On voit sur 25-27. Alors là, 25, c'est, 26, c'est la grotte de Lascaux, ça. La grotte de Lascaux. Enfin, célèbre. C'est la plus célèbre, ouais. On en a vu un peu partout. Il faut voir que, on verra après, que ce paléolithique supérieur s'est surtout développé dans l'espace dit franco-cantabrique. On trouve 80% des vestiges du paléolithique supérieur. C'est l'espace franco-cantabrique. Cantabrique, ça va des Asturies, en gros à la Gironde. C'est centré sur le Pays Basque. Hein. Ouais. Voilà, c'est là où on trouve une,
une grande majorité de ces outils. Si vous voulez aller les voir, vous allez au musée de Saint-Germain. J'y étais avec mon ami Swad de La Faille. Si elle me regarde, je lui fais un gros bisou. Et c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il est extrêmement riche. C'est un des musées les plus riches au monde. Il est où, à Saint-Germain-en-Laye? À Saint-Germain-en-Laye, d'accord. Ouais. Parce que enfin, moi, je suis allé à la grotte de Lascaux, alors bon. Je veux dire, la fosse. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. J'étais assez déçu parce que finalement, c'est vrai que tu peux pas rentrer dans la vraie. En fait, c'est une reproduction. Ça fait un peu, bon, j'ai envie de dire Disneyland, quoi. Enfin, ils ont reproduit le truc sur un espèce de faux mur. C'est moins impressionnant, en fait. Ouais. Le lieu, l'endroit est impressionnant. Là, quand tu te trouves sur le lieu où il y a la grotte, tu vois bien le lieu, comment il est. Mais la grotte en elle-même, enfin, le truc pour touristes, hein, parce que c'est une... Ça fait un peu parc d'attractions à touristes. Bon, tu visites ça, j'étais un peu plus déçu, je dois dire, même si c'est une reproduction. Mais bon. Enfin, toujours est-il qu'on voit bien, on s'aperçoit bien que d'après ces très belles reproductions, très réalistes, hein, parce que c'est vraiment qu'on voit le bison, qu'on voit le roc, c'est extrêmement réaliste, qu'il y a forcément apprentissage, que voilà, mon petit gars, je vais t'apprendre à dessiner un bison, et puis etc. Donc on voit bien que là, on commence à avoir une culture et que ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette culture, elle est, et d'ailleurs on verra après, toutes les cultures sont dans des espaces resserrés, si tu veux, hein, parce que il faut bien resserrer l'homme, c'est-à-dire qu'il ait des capacités de pouvoir communiquer facilement. Ouais. Il n'a pas le téléphone portable ni l'ordinateur. Hein. C'est voilà, je t'explique comment on va faire, et donc on voit des clones qui se crée. Hein. C'est l'homme se développe par clone. Donc on verra plus tard au néolithique, c'est encore plus spectaculaire parce que le néolithique, c'est-à-dire l'agriculture, va se développer partout. Et on verra non pas la même chose partout, mais on verra des cultures différentes qui sont bien déterminées dans des espaces particuliers. Hein. Et donc on voit bien que dans le développement humain, il y a l'apprentissage, la communication, et toujours cette fameuse méthode chère à Descartes et à son discours, et méthode qui est indissociable de l'humain depuis l'hominidé jusque maintenant. Donc, on va voir sur la vue 27, hein, ses capacités, en gros, un tableau. Alors, il a des pointes de flèches qui sont très sophistiquées. Puis faire du silex avec ça, tu verras dans ta forêt si tu arrives à faire ça. Tu vois. Ça, c'est des armes, en fait. C'est des pointes de lance. Oui, parce que c'est un grand chasseur. Hein. Mm-hmm. C'est un grand chasseur, mais c'est un chasseur-cueilleur. Alors on va revenir à ça parce que c'est un très grand aspect de civilisation. Cet homme du paléolithique, qui est essentiellement autour de cette grotte de Lascaux, il a une concentration. Voilà. Bon, il y en a ailleurs, mais c'est là où on en trouve le plus. Les premières reproductions humaines qu'il produit sont toujours des femmes. Et on verra que cette façon de reproduire l'humain exclusivement des femmes va durer très très longtemps, parce que là, ce paléolithique, c'est moins 35 000 ans, hein, jusqu'on va trouver des productions essentiellement féminines. Jusqu'à moins 4000, moins 5000, et ça va perdurer dans la civilisation minoïenne en Crète jusqu'à moins 1200, 1300 avant Jésus-Christ. Donc, on a quelques exemples. Et là, il y a des gravures aussi, parce qu'on nous dit que les hommes, oui, ils ont aussi, on nous dit, n'oubliez pas la gravure. Il y avait le dessin et la gravure. Hein, on voit des gravures, on les voit là, sur la figure. La vue 27. La vue 28, les vues 27, ils font des gravures, ils font des sculptures d'animaux. Des sculptures d'animaux aussi. Des gravures. Et là, on voit sur les vues 30 et 31, cette façon de reproduire des femmes. Alors, c'est curieux, hein, comment ils reproduisent des femmes. Alors, il y a celle au musée Saint-Germain, hein,
il y a la femme qui est très jolie, c'est voilà celle du la Vénus de Brassenbury, 32, hein, elle est toute petite, hein, je l'ai vue avec mon ami Swad, hein, elle a déjà assez sophistiqué parce qu'on pense qu'elle a un filet sur les cheveux, tu vois, elle est déjà apprêtée, hein, et donc elle est, on voit sa tête en tant que femme, mais on en voit d'autres de ces femmes du paléolithique qu'on va voir durant tout le néolithique, avec des grosses fesses, des hanches énormes, des gros seins, et donc on peut penser que ces femmes-là ont un physique apte à l'enfantement. Hein, c'est bien là ce qu'on va vénérer chez ces femmes, c'est la capacité d'enfanter, parce que quelle est la richesse de l'homme quand les hommes vivent au maximum 30 ans, hein, avec des mortalités infantiles extrêmement élevées, eh bien, évidemment, la richesse de l'homme, c'est la fécondité de la femme. Oui. Hein. Et on sait que des femmes aux hanches larges... C'est pour ça qu'elles sont toujours, voilà, des... Non, elles sont en grossesse quasiment, là. Voilà, elles sont plus fécondes que les femmes, comme des haricots, comme on voit maintenant. Hein, voilà. Donc on voit que voilà, l'idéal féminin de l'homme de Cro-Magnon, bah, ouais, c'était une grosse. Hein. Ouais. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Voilà, c'était son idéal féminin, c'est comme ça. Bon, peut-être on va passer quelques clips du. Alors je vais rythmer tout ça avec des clips du journal de personne, parce que vous savez que c'est une grande philosophe. Et que on essaye de faire de la philosophie, alors ça a des rapports pas toujours directs avec mon propos, mais enfin j'ai choisi des clips qui font réfléchir sur l'essence de la vie. Vas-y, passe-nous. Vas-y. Ok, t'es bon. C'est bon. Voilà. Ok. Bon, il n'y avait pas de son, donc. J'avais pas de son. Donc je continue. Je répète que pourquoi personne ? Parce que il y a un an environ, on a commencé entre nous un débat sur l'être et l'avoir, sur l'essence de l'homme. Personne est agrégée de philosophie. Mm-hmm. Elle a fait une thèse sur Nietzsche. C'est une spécialiste de Nietzsche. Et d'ailleurs, elle a fait une excellente production sur le Ainsi parlait Zarathoustra, qui est magnifique, que je conseille à tout le monde d'aller voir, et que ce débat qui était parfois un peu tendu entre nous concernait l'être et l'avoir. Donc, mais en fait, nous étions d'accord, puisque pour elle, l'avoir, c'est l'excédent d'avoir. Moi, je parle de l'être versus objet. Je dis que ce qui est ontologique à l'homme, c'est l'objet, mais pas seulement l'objet, c'est la méthode. Hein, c'est la méthode. Parce que quand Descartes parle « je pense donc je suis » et qu'il écrit son discours de la méthode, bah, il dit que la moitié des choses, hein, il dit « je pense donc je suis ». Pour moi, c'est « j'ai une méthode donc je suis ». Et que la méthode est indéfectiblement liée à l'homme. Voilà, l'homme est le seul animal à posséder une méthode, et que pour une méthode présuppose que qu'on ait un langage au moins, hein, qu'on puisse produire des artefacts, après qu'il y aura l'écriture, ça ira plus vite, et qu'on puisse surtout c'est transmettre cette méthode aux autres générations, qui fait que l'homme est un musée, puisqu'il accumule tout au cours de l'existence humaine. Et on va voir que nous avons encore en nous des éléments qui viennent de très très loin, qui viennent du paléolithique que nous avons dans la tête. On va voir cet aspect féminin-masculin, pourquoi l'homme a commencé à dans le matriarcat, qui est attesté par ses productions d'objets, et que finalement nous vivons dans le patriarcat. Et il y a des raisons. Il y a des raisons pratiques qui sont liées justement aux méthodes.
Et donc, voilà. Alors, pourquoi personne? Parce que personne, c'est quelqu'un qui fait réfléchir. Alors, évidemment, elle est très belle. Ça, on n'y peut rien. Hein. C'est pas ta femme, si, je précise, parce que si, si elle était moche, je sais pas ce que ça ferait, mais bon, elle est très belle. Bon, bah, écoute, ça rajoute. Alors, il y en a qui, évidemment, qui regardent que sa beauté, puis qui n'écoutent pas ce qu'elle dit. Je crois qu'il ferait mieux de couper l'image et d'écouter ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle dit, c'est extrêmement puissant. Souvent, ça amène à la réflexion. Voilà, c'est pour ça que dans une émission de réflexion sur l'ontologie humaine, j'ai aimé passer personne, parce qu'en plus, c'est des partenaires de Méta TV. Et alors, je pose une petite question, alors, parce qu'il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est une question un peu polémique de Daniel, qui dit, oui, la thèse de soir, est-ce que c'est bien l'homme par sa maîtrise des outils, technologie versus nature, c'est le positionnement. Est-ce que la technologie qui ferait l'homme, pas la poésie, ni la philosophie, ni les relations sociales ou autres, en suivant ce raisonnement, on est supérieur aux Indiens qui vivent dans la jungle? Je ne comprends pas trop la question. Non, les Indiens qui vivent dans la jungle ont des méthodes très sophistiquées qui font que ce sont des hommes à part entière, parce que si on laissait un 1er avril notre ami dans la jungle amazonienne, même avec une sarbacane, bah, il ne va pas vivre vieux non plus. Donc, pour vivre dans des milieux comme ça, se nourrir, eh bien, ils ont des méthodes très sophistiquées. Par exemple, il y a les connaissances des plantes médicinales qui sont connues par les chamans et qui se soignent. C'est pour ça que je ne comprends pas la question, Daniel, parce que voilà, quand on dit ça par l'outil, des méthodes. J'ai l'impression que toi, tu présupposes que les Indiens qui vivraient dans la jungle n'auraient pas d'outils ou pas de savoir et de méthode. Alors, ben nous, on c'est en pas a ce moins. Qui est dit dans le propos. Voilà, nous, limite, nous, on en a moins qu'un Indien à l'heure d'aujourd'hui. C'est ça, la réalité. L'individu indien possède plus de méthodes que nous. Nous, pour bouffer, on est obligé d'aller au supermarché. Voilà, donc sortir la carte de crédit, c'est pas... Comme méthode, c'est pas comme terrible. Comme tu dis, on serait dans le bois de Vincennes, on serait mort en quelques jours. Quoi. Voilà, le bois de Vincennes, il y a des putes, pourrait piquer du pognon. Bon, bois de Vincennes, pourrait prendre le métro. Donc, l'autre, alors, on a parlé de notre chère amie Personne, qui est malheureusement fort belle pour elle, ça lui crée beaucoup de problèmes, mais on n'y est pour rien, et que on va parler un petit peu de ce passage, cette évolution dont j'ai oublié, c'est la mutation. La mutation, hein. Alors on en a parlé tout à l'heure. J'en reparlerai souvent. Moi, j'ai dans une vie passée, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche en génétique des populations. Ouais. Hein, et donc, je vais même vous montrer des éléments qui sont liés à mes propres recherches sur les migrations humaines et le peuplement de l'Europe, puisque c'est moi qui ai animé le travail sur le peuplement de la France et d'Europe. Bon, mais voilà. Donc il y a eu un livre il y a 30 ou 40 ans, écrit par François Jacob, qui s'appelle « Le hasard et la nécessité ». On sait que tous les êtres vivants subissent des mutations. Ils subissent des mutations par hasard, parce que on a les rayons cosmiques qui vont nous bombarder et nous faire modifier, malheureusement, notre capital génétique d'une façon favorable ou défavorable. Et donc, une mutation favorable arrivant au hasard va propulser celui dont il est le réceptacle. Au départ, c'est qu'un. Non, on va reparler avec Prigogine de la bifurcation. Tu vois, il y en a un qui a la mutation et qui est plus intelligent que les autres, qui va faire des enfants, et il va transmettre le capital génétique. Et lui, dans sa petite tribu, parce que au départ, les hommes sont très ramassés dans les tribus et dans les clans, il va faire un clone. Mais comment elle se... Parce que tu vois, là, quelque chose que moi-même je voudrais comprendre, un truc qui n'est pas expliqué, c'est comment se joue justement, tu as parlé d'une mutation, comment on passe par exemple de l'homo erectus à l'homo sapiens? C'est-à-dire comment, à un moment donné,
comment, puisqu'il y a une transformation génétique, c'est pas simplement un changement d'apparence. Ah, non. Il y a une mutation. Il y a une mutation génétique, voilà. Le capital génétique s'est changé. Mais ça n'arrive pas seulement à mais l'homme. Mais ça peut pas être le hasard, ça. C'est comment ça mais se non, fait, ça mais se... si. Ah, bah, ça veut dire tout, comme ça, d'un coup, il y a le hasard. Tous les êtres vivants. C'est Néo le mec, quoi. C'est... Tous les êtres vivants sont issus de mutations. Tous. Donc on peut montrer l'arbre, maintenant qu'on connaît bien les analyses d'ADN, hein, donc on a pu, c'est dommage, j'aurais pu montrer ça, cette espèce d'arbre de l'évolution de toutes les espèces qui sont issues, toutes les espèces sont issues de mutations.